Bonjour à tous. Vous l'attendiez avec impatience, elle est là. Votre méditation pour vous déplacer dans l'univers de Marvel. Retrouvez plein d'autres méditations sans ces introductions, sans publicité et dans un format plus long sur www.ermite-d-songe.com/méditation. Le lien est disponible en description. Sans aucun financement, il m'est de plus en plus difficile de réaliser ces méditations. Je remercie infiniment ceux qui les écoutent chaque jour, me permettant de continuer à faire des vidéos. Sans vous, vos partages, commentaires et encouragements, cela ne serait pas possible. Que vous ayez envie de vous mettre dans la peau de votre super-héros ou super-héroïne préféré, ou d'inventer vos propres pouvoirs, vous êtes au bon endroit. Grâce à cette méditation guidée, vous augmentez largement vos chances de faire un rêve lucide dans lequel vous pourrez vous rendre dans l'univers de Marvel. Nous utiliserons ensemble la technique du déplacement qui consiste à ouvrir un portail pendant votre rêve pour parvenir dans votre univers souhaité, le Marvel Cinematic Universe. Comme je vous comprends de vouloir vous rendre dans cet univers, tant d'aventures, d'actions et de découvertes vous y attend. N'oubliez pas, lorsque vous serez dans votre rêve lucide, il vous suffira d'imaginer un portail derrière vous et de vous laisser tomber dedans pour apparaître là où vous le souhaitez. Nous allons commencer, comme à notre habitude, par une relaxation pour vous mettre dans les meilleures conditions pour utiliser la technique du déplacement. Dans l'idéal, vous avez ouvert les fenêtres, pris une douche froide et avez rendu la pièce la plus sombre possible. De cette façon, vous augmentez vos chances de dormir confortablement et d'être totalement focalisé sur votre expérience. Expérience qui, si j'en crois vos retours et commentaires, est réellement incroyable. Prenez une position confortable, puis commencez à respirer de plus en plus lentement, tout en visualisant l'univers de Marvel. Au moment où vous aimeriez le rejoindre, il s'agit de la phase de conditionnement. Cette dernière permet à l'univers souhaité de prendre de la place dans votre esprit pour vous préparer à rencontrer votre univers souhaité et ainsi préparer votre voyage. Respirez calmement, sans forcer, de façon à détendre vos muscles tout en pensant très fort à l'univers de Marvel et aux super-héros que vous allez incarner. Au départ, inutile d'être parfaitement concentré. Cette phase nous sert à glisser très gentiment dans ce nouvel état de voyage et de découverte. Dans un second temps, nous aurons besoin de plus de concentration pour shifter dans notre univers souhaité. Pour le moment, contentez-vous de penser de plus en plus à l'univers de Marvel, en laissant de côté les autres pensées. Vous les retrouverez demain matin, elles ne vous seront d'aucune utilité là où vous allez cette nuit. Que voyez-vous? Concentrez-vous sur vos yeux, votre regard, votre vue et sur ce que vous voyez
en face de vous. Qu'il s'agisse encore simplement de petites taches blanches ou déjà d'images réalistes de l'univers de Marvel. N'oublions pas que cet enregistrement fonctionnera mieux si vous l'écoutez pendant la nuit, après avoir dormi quelques heures. On appelle cela le double réveil. Pour maximiser vos chances de réussite, n'hésitez pas à écouter cet enregistrement plusieurs jours d'affilée, tout en prenant grand soin d'écrire pendant la journée tout ce que vous aimeriez voir se produire dans vos rêves en lien avec votre univers souhaité. On appelle cela un script et il permet une grande immersion et un grand conditionnement pour augmenter ses chances de matérialiser ce que l'on souhaite dans son rêve. Voyez cela comme une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Lorsque vous vous sentirez prêt, commencez à vous concentrer davantage sur vos sens, plus seulement la vue, mais aussi l'ouïe, le toucher, l'odorat, afin de vous préparer à accueillir toutes les sensations qui vous attendent lorsque vous arriverez de l'autre côté. Il existe deux façons de voyager dans votre univers souhaité. Le premier, en y glissant depuis l'état dans lequel vous êtes actuellement. Le second, en ouvrant un portail depuis un rêve. Nous en avons parlé au début de l'enregistrement. Mais nous allons quand même essayer d'utiliser la première technique pour encore plus augmenter vos chances de réussite. Ces méditations vous aident souvent à faire les deux techniques, car elles peuvent sans aucun problème se combiner. Prenez un instant pour vous focaliser pendant une dizaine de secondes sur chacun de vos sens avant de revenir à votre vue et de vous concentrer sur les formes que vous pourriez voir apparaître devant vous. Prenons un moment pour nous concentrer à présent sur les pouvoirs et les coéquipiers que nous allons rencontrer pendant notre voyage, qui pourrait bien durer très longtemps d'ailleurs. Le temps ne s'y écoulera pas de la même façon que dans notre vie réelle. Vous pourriez vivre plusieurs heures dans l'univers de Marvel, alors que quelques minutes seulement se sont écoulées ici. Prenez un moment pour imaginer le scénario qui vous attend et la façon dont vous allez le vivre. D'ailleurs, quels sont vos pouvoirs? Si tout va bien, vous devriez voir de plus en plus d'images devant vos yeux de façon très subtile pour certains et très vivide pour d'autres. Cela ne veut pas dire que vous y arriverez moins bien ou mieux qu'un autre, c'est simplement le signe que vous êtes en train de glisser vers votre univers souhaité. Il nous reste une dernière étape pour finaliser le voyage, celui de se répéter notre mantra. Afin de ne pas oublier que nous sommes sur le point de nous rendre dans notre univers souhaité. Il vous suffit pour cela de vous répéter une phrase qui vous aide à vous souvenir que vous êtes arrivé à destination. Par exemple, la prochaine fois que je verrai Thor, Lucky ou Iron Man, je serai arrivé à destination. Ou la prochaine fois que je verrai le soleil se lever, je serai arrivé à destination.
je vous laisse vous répéter votre mantra jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Une magnifique aventure vous attend et je me réjouis que vous nous la racontiez. Bon voyage.